C'est quoi là, frère? Je crois que ça tourne. Et salut toi, c'est moi, Yessine Arwa, et on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Et c'est la dernière de l'année. Mais je suis là. Je vais me retourner avant de commencer. C'est quoi ce délire numéro 3? Et ouais, c'est déjà le numéro 3, frère. Ouais. Je voulais d'abord te remercier d'être là, déjà sur cette vidéo-là. Et si tu es ancien, merci d'avoir été là parce que ça fait un an que je suis sur YouTube et j'ai pas fait de remerciements. Donc, et je suis pas vraiment là sur YouTube. Donc, mais vous êtes là quand je fais une vidéo. Donc, merci. Et j'espère aussi que ton année s'est bien passée. On est fin décembre. Oh, j'ai quoi? Trois paragraphes à vous dire. La vidéo va être très rapide. Je vais vous mettre mon nouveau concept. Et oui, j'ai un nouveau concept. C'est pas ça. Hein. Là, je me suis dit, oh, j'ai parlé avec mon miroir. Je vais te parler. Je vais te parler là aussi. Je vais me regarder comment je suis canon, tu vois. Et je vais te dire ce qui va se passer en 2023. En 2023. J'imagine Et bien. en plus, vous savez quoi? J'ai une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras la petite surprise. Bon, la petite surprise. La grosse surprise. La petite surprise, elle est devenue grosse, toi. La petite surprise, c'est devenu un gros. En plus, je suis pas grossophobe. Mais. Non, pas mais. Mais. Tu verras la petite surprise, comme si tu ne sais pas, frère. Je voulais travailler dans le journalisme, mais ça fait un an que je suis un petit peu en train de me dire, oui, Yessine, tu vas arriver bientôt dans tes 30 ans et tout. Est-ce que le journalisme, c'est fait pour toi? Est-ce que tu as les capacités et tout et tout? Tu vois, toi, le truc, tu vois. Et je me suis lancé, finalement, dans la psychologie. Et ouais. Et ouais, dans la psychologie. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois que j'ai les capacités. En tout cas, selon moi, je pense que c'est le métier qui me correspond le mieux, même par rapport au journalisme. Et je pense que j'aiderais mieux les gens comme bienveillant et à l'écoute. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est pourquoi le nouveau concept que j'envoie en 2023, ça va m'aider. En fait, je me dis, ça va m'aider à étudier lors de mon blocus. Je suis en plein dedans. Et à la fois, si je peux vous expliquer et vous informer de la psychologie, et si ça peut vous intéresser, ça peut être chouette. Et je veux aussi virer cette chaîne vraiment à ma carrière. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous lancer ma première vidéo. Donc le concept va s'appeler, c'est quoi? J'allais dire, c'est quoi ce délire? Non, c'est cette vidéo, c'est quoi ce délire? Je vais me retourner. Donc le conseil va s'appeler c'est. Ah oh, mais j'ai vraiment c'est quoi ce délire en tête? Mais c'est pas ce quoi ce délire. Allez, encore. Donc le concept va s'appeler tu sais quoi frère? Et le concept. Pourquoi j'ai des concepts trop franchement? C'est quoi ce délire frère? Donc le concept c'est. Mais je bug vraiment. Frère, je crois que je vais faire plusieurs montages. Au départ, je me suis dit, ouais, je vais appuyer une fois sur mon smartphone, je vais tourner la vidéo et ça va enchaîner. Mais en fait, ça fait 1 heure que je suis juste à l'intro. Donc, on va être sérieux. Yessine, sois sérieux. Hop, allez, hop. Hop, hop, hop. Ok, je suis sérieux. Je suis sérieux, Yessine? Confetti, t'es sérieux? Je suis sérieux. Donc. Allez. 2 janvier, lundi 2 janvier à 8h, tu as ma nouvelle vidéo, frère. Putain. Putain. Ah oui, je suis en pantoufle. What the fuck is this? Tu te souviens, ça veut dire quoi ça? Si tu te souviens pas, ça veut dire quoi ça? Regarde ma dernière vidéo. Oh, mais là, j'ai juste à me faire. Non.
Enfin, on va terminer la vidéo avec la surprise. Donc, je vais vous montrer Confetti. Mais avant de vous montrer Confetti, je vais vous expliquer un petit peu donc, toute cette année, la première année avec Confetti. Oh mon Dieu. Il a été une crème, mais une crème jusqu'à son premier jour de chaleur sexuelle. Oh, dès qu'il a eu ses chaleurs sexuelles, c'est devenu un monstre. Mais vraiment. Un monstre voulait être dominant, il me griffait, il me mettait en sang. Donc j'ai beaucoup hésité. Puis finalement, avec réflexion et puis avec réflexion avec Confetti, je l'ai castré. Donc le jour de son anniversaire, le 30 septembre, et ouais, il est né 2 mois avant le mien. Donc je l'ai castré et depuis sa castration, tout va mieux. Tout va bien, il était bien, mais il était trop nerveux et je sentais trop que ça le démangeait. Et c'était bizarre cette période-là. Ça a duré quand même 2-3 semaines. Genre ouais, les 2-3 semaines les pires avec Confetti. Puis après, on a eu la castration. Puis oh, il est revenu comme je l'ai eu le petit bébé le premier jour. Le premier jour. Mais heureusement que Confetti, c'est un chat. Frère. Parce que si Confetti avait été un enfant, je crois que j'aurais appelé Super Nanny. Puis, j'appelle Pascal le grand frère et j'aurais peut-être terminé en justice avec lui à Confetti. Mais je l'aime trop, franchement, c'est l'homme de ma vie. Dis bonjour. Aïe, je suis pas mortier. C'est mal. Ah bah mon bébé, montre-toi à la caméra. Bon. On dit l'heure que je reviens lundi. Hein, ouais? À quelle heure? À quelle heure? En tout cas, c'est lundi pour la nouvelle vidéo. Tu sais quoi, frère?